Airbnb.com. PremiumBeat.com. Là, on a des lampes bleniques, on a des vases biberons, on a des couvercles d'amphores, on a des amphores et vases. Tout ça, ça vient de Kirkwall. Visite archéologique. C'est très beau, on a des amulettes représentant les divinités égyptiennes, reflétant l'importance des croyances égyptiennes à Carthage. On a de la monnaie bleniques. On a des têtes de flanc, PremiumBeat.com. On a fait un griffon, on a des amphores. On a des amphores à fond pointu à l'angèle. Tout ça, ça vient de Kirkwall. Et on est à Annabelle. Voilà. C'est vraiment bizarre. On a des carreaux en terre cuite en forme de losange. On a des carreaux en terre cuite en forme hexagonale, on a des poids et flèches de pêche, on a des amphores. PremiumBeat.com qui représente Tanit. Caractère punique, dédicacé à Baal Amon et à Tanit, auquel les citoyens étaient issus du fer et géraient des sanctuaires au 3e siècle, avant Jésus-Christ. PremiumBeat.com. Il faut savoir aussi qu'on a les plus anciennes inscriptions latines d'Afrique, dédicacées à Auguste Deo par des commerçants latins installés à Tinisut. C'est incroyable. Alors on a des ailes de sphinx aussi. Ça vient d'un sanctuaire de Tinisut, premier siècle. Léonécéphale en terre cuite représentant Tanit. On a des sphinx coiffés d'une tirare conique au sein proéminent symbole de fécondité. Ça vient du sanctuaire de Tanit aussi, ça. On a une déesse assise, vêtue d'une tunique plissée. Sanctuaire de Tinisut aussi. Le votive représentant à l'intérieur d'un temple un bélier devant un autel, un pain, le signe de Titanit, une inscription du 3e siècle. Donc Athéna en déesse guerrière, casquée et portant un bouclier à la tête de Gorgone, symbole de son invincibilité. Drapée, on a des têtes d'enfants joufflues. Tête de femme, tête de taureau, buste d'un orang, statuette très restaurée d'un homme. PremiumBeat.com. Une déesse assise. Déesse orientale, symbole de fécondité sur un lion. Atargartis, on a Athéna aussi. Tout ça, ça vient du sanctuaire de Tinisut. Tout du sanctuaire, toujours. Elle est vraiment belle.
région du Cap-Blanc, tout ça. Et alors ce magnifique visage, qui est très impressionnant en poterie. Des lampes à motifs figurés, tout vient de la région du Cap-Blanc. Alors c'est un portrait féminin en marbre blanc qui vient du site de Neapolis, à Naples. Un appliqué de meubles représentant un amour en tenant une guirlande de fleurs, un cheval au galop et une panthère bondissante. On a une lance de vase décorée d'une tête humaine, une vase et un pater. Je sais pas c'est quoi. Alors ça, c'est la tête d'un homme barbu. Ça, c'est une mosaïque qui représente une scène de noces de Bill Aerophone, Neapolis, du site La Maison des Neufs. Alors, on a les fragments acrobatiques, on a la céramique punique en vernis noir. On est dans la première période, hein, l'époque romaine. On a des loupes, on a des enfants puniques, voilà quoi. Toujours de la céramique, des lampes africaines, des jarres, petites pointes, des assiettes à poissons, des enfants.